Salut à tous, très heureux de vous retrouver ici à Manchester, à l'Etihad Stadium, pour commenter la team d'Ada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva, du foot anglais, au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Manchester City contre Fulham. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain! J'espère que vous avez vos lunettes de soleil, parce que ça va briller! Voici la compo de City, titulaire dans le but Ederson, Kyle Walker avec Vardiol dans les couloirs, Phil Foden sera avec Doku sur les côtés, et en attaque, Erling Haaland. Un œil sur la composition de cette formation. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et c'est parti dans ce match. Bonne progression dans le camp adverse. Palinha à la réception. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Quel arrêt, quel réflexe. À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Corner. Et le ballon est dégagé. Une parenthèse pour parler d'un joueur qui sait maintenant tout faire, un grand buteur surtout, c'est Erling Haaland. C'est le meilleur buteur du club. Il arrive toujours à se trouver au bon endroit, au bon pot. Oh, l'occasion de but, attention! Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade! Et non, ballon perdu. Oui, c'est bien fait, il est passé. Et très bonne intervention du gardien. Le corner. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Et le contre est possible maintenant. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Grealish à la réception. Ah oui, l'excellent ballon. Et c'est encore dangereux. Pour Raúl Jiménez. Ah non, là, la balle qui est perdue. Magnifique, quelle passe! Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Foden. C'est contré, mais ça va revenir. Oh, c'est mal renvoyé. Ah non, le drapeau se lève, position de hors-jeu. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, c'est le but, mais non. Eh non, 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 parce qu'il y a une position de hors-jeu. On remballe le papier cadeau et on le garde pour plus tard. Palinha. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Ah, y a du monde là, quelques possibilités.
Il a des options qui s'offrent à lui. À une occasion en or. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. C'est un match sage, beaucoup trop sage. Les équipes manquent d'audace, de folie. Il faudrait mettre beaucoup plus de rythme dans les prises des balles et les frappes. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Jérémy Doku peut avancer dans le couloir. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la... Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Il faut tenter sa chance. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Timothy Castagne. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Ah, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Le ballon pour Jack Grealish. Attention pour mener au score peut-être. Goal ! Haaland lance les hostilités. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Le premier but pour ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Palinha. Manchester City qui reprend ce ballon. Oh, il s'est bien servi. Et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là. La rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Palinha. Là, il dépose l'adversaire là. Raúl Jiménez. Ah, le ballon est contré. Et une occasion de contre à négocier. Face à face avec le gardien. Intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Et ça sort en corner. Ballon dans la surface. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant, efficacité, réaliste, tout leur sourit. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré, il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. Et pour finir, la conclusion de la tête, du début à la fin, c'est une action magnifique.
Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, le contre est possible. Oh, il y a une bonne occasion là. Et l'action se poursuit. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un zapatasso. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 3 minutes supplémentaires. Le ballon pour Haaland. Et oui, le tir. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Oh, le but, le ballon relâché. Et c'est bien suivi derrière pour le mettre au fond des filets. On revoit maintenant l'action. La balle est renvoyée dans la zone dangereuse. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. D'autant qu'en face, il y a des clients. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi d'ailleurs. Et c'est terminé. Donc voilà la fin de cette rencontre. Et Manchester City gagne ce duel. Une performance collective parfaite.